Donc euh, ben j'ai fait un projet pour, pour 2009, là, dans le pavillon français, euh, bien sûr c'est euh, un questionnement important aussi à un moment donné dans le, dans, dans le travail, c'est une, un, une représentation française, c'est une sorte de... Enfin, moi j'ai vu ça comme ça, c'est une sorte de... ça m'a permis d'avoir une attitude en même temps un peu ambivalente sur la façon de porter le drapeau, sur la façon de d'être l'artiste choisi pour le pavillon, et de jouer, moi j'ai joué comme ça sur plusieurs éléments, comme le fait de, de pouvoir aussi m'adapter à, à ce type d'architecture, euh, qui est un peu ridicule, un peu colonial, et tout ça, il est très contraignante. Et c'est comme ça que j'ai créé le Grand Soir, c'est-à-dire ce, 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 ce dispositif, qui mettait un peu les gens en cage, dans une sorte de contrainte. Euh, pour pouvoir percevoir tous les éléments du, du pavillon, c'est-à-dire la, 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 la salle principale et puis les, 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 les trois salles périphériques. Et avec le, le catafalque qu'on avait fait pour pouvoir justement marquer l'entrée, euh, euh, cette entrée très, très ostentatoire du pavillon français. Quoi. Donc c'est un jeu que j'ai établi comme ça en 2009 dans cette représentation, avec le, 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 aussi le, le sens que peut avoir le titre, le grand soir, le ce que c'est bon, par rapport à l'anarchie, ça c'est une, une connotation française, mais aussi le fait de cette représentation. Et puis en plus, une dimension enfin, dans ce, que, qui n'a pas toujours été perçue, mais c'est la dimension de deuil aussi. Il y avait la sensation de deuil aussi dans les drapeaux noirs, pas simplement la, la, la vision politique. Et ça se limite, pour moi, ça ne se limitait pas à ça. Quoi mais il y, avait, il y avait cette idée de, de, de contraindre les gens dans la mesure où moi aussi j'étais contraint par tout l'aspect orné du pavillon, que je n'ai pas voulu toucher en fait, j'ai laissé tel quel mais que j'ai recouvert ou, ou, ou détourné à ma manière. Puis là aujourd'hui je reviens donc ici, bon là c'est privé, c'est Kamel Menour, ma galerie, qui m'invite à, à faire un projet, à revenir, Kamel Menour, qui occupe ce, ce, ce palazzo Tiepolo, quand il est venu en repérage pour, pour louer le lieu, il m'a tout de suite appelé en me disant, voilà, c'est un lieu pour toi, c'est Venise, c'est un univers, et j'ai réalisé ces, ces miroirs en 15 jours. J'ai jamais fait, fait un projet en si peu de temps. C'était le bon le bas de combat, puis après trouver les mots, après les faire écrire, après... Toute la production, tout ça, et puis après le transport, avec tous les risques que ça, qui avait de, que ça comportait de, de casse et tout ça. Enfin, Mais euh, moi j'aime bien le fait que d'un seul coup, après cette euh, représentation française dans le pavillon, il y ait une vision comme ça intimiste euh, de mon travail ici. Quoi.